À tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. À l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça. Il sait mettre l'ambiance. Et puis, on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Un petit mot sur le stade tout de même. Old Trafford est l'une des enceintes les plus iconiques du monde. Et on écoute l'hymne national autrichien. Écoutons maintenant le deuxième hymne. Va donc jouer à 3 devant. Qu'en pensez-vous, Darren? Dans ce système, beaucoup repose sur le milieu de terrain. Des attaquants excentrés, on peut écarter davantage le jeu. Et l'inconvénient, c'est que le milieu a plus de terrain à couvrir. En plus, ils doivent régulièrement couvrir les côtés des latéraux. Il faut donc être attentif et avoir un sacré coffre. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Moi, je pense à David Alaba. Faut tirer là. Oh, dommage, la passe était parfaite. Quelle balle en profondeur. Super vista pour trouver son partenaire. Ce sera le premier corner du match. Le danger est repoussé. Bien travaillé dans la surface. Ah, il n'a pas complètement réussi son geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. À la barre. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il décide d'allonger le jeu. Oh, voici Vardy. Trippier. Elle continue sa course. Ce ballon devant le but. C'est repoussé. Il la remet. Il y a danger. Le soutien derrière lui. L'Angleterre qui essaye de construire. Ah, c'était pas mal. Mais le ballon est perdu. Il était disponible à sa droite. Il aurait très bien pu le servir. Ce ballon bien dosé. Oh, bonne lecture. Intercepté. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, Grégoire? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est joué dans l'espace. Énorme occasion! Attention au centre! L'Angleterre va frapper le corner.
Alors, comment vont-ils jouer ce corner ? Il rejoue derrière lui. La frappe ! Pas de chance sur ce coup. L'Autriche qui peut avancer. Allez. La passe en profondeur pour Arnautovic. Arnautovic. Ça passe à quelques millimètres à droite. C'était un tir plus que correct. Ça méritait sans doute un meilleur sort. Bonne réception sur cette longue passe. C'est joué long. Un peu d'oxygène pour sa défense. Oh, il y a danger. Un bon... La tête ! C'est repoussé par le transversal. Pour le gardien. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. La passe en profondeur pour Arnautovic. 0-0, les deux équipes se neutralisent. Un ballon intéressant. La tentative ! Le gros dégagement. À la barre ! Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. On essaie d'écarter le jeu. Trippier. Avec Rashford. En retrait pour repartir proprement. Smalling. Rashford. Là-bas. Dans la profondeur. Bon jaillissement, il fallait intervenir. C'était une bonne intervention. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long. À la bas. Oh, il faut frapper. Quelle occasion, attention. Mais c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Eh ben, dis donc, c'était chaud.
Le ballon dans la profondeur. Rashford. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Long ballon dans le sens du jeu. C'est reparti, ils peuvent contrer. Winks. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Voyons ce que va donner ce corner. Il avait réussi le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Ça joue long vers l'avant. Winks. Là-bas. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Il cherche la profondeur sans se poser de questions. Qui choisit le côté gauche. Quelle inspiration! Il y a danger, il peut frapper. Oh, le gardien est là, la classe. Oui, il était bien concentré. Bravo. On en restera là pour cette première période. L'Angleterre qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Ils se sont créés une flopée d'occasions, mais pour l'instant, ça fait toujours 0-0, nil-nil. Ça joue bien, mais ça manque de précision, voilà. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Alaba, qui rejoue derrière. Il est marqué de près. Baumgartlinger. La passe est précise. Arnautovic. La parade, magnifique. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Quelle occasion! Il allonge vers l'avant. Winks. Foden. Ça revient dans l'axe. Chilwell. Le ballon dans la profondeur. Il cherche à le servir. Danger repoussé pour le moment. Alaba. Arnautovic. Alaba. Ce
joué dans la profondeur. Alaba, bien servi sur le côté. Alaba qui centre. Mais c'était pas très bien dosé, ballon perdu. On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Après une première mi-temps sans but, la seconde s'annonce de la même facture. Il joue en profondeur. Il y aura donc touche. Il joue en retrait. Foden. Le gardien loin devant. Il perd l'équilibre. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué long, attention. Oh, la frappe ! Et l'arrêt est magnifique ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. Ça fait déjà un grand nombre de corners obtenus, mais pour l'instant, ils les ont tous mal négociés. Là, il a préféré jouer la sécurité. La passe dans la profondeur. Ça peut être extrêmement dangereux. Il est passé. C'est bien ce qu'il fait, là. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Il cherche son coéquipier. Winks. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Oh, le contre, l'arme fatale. Le bon dribble. Seul face au gardien. Voilà, un coup franc intéressant. Quoi ? Carton rouge là-dessus ? C'est incroyable, et l'entraîneur n'en croit pas ses yeux. Et le joueur ne comprend pas non plus la décision de l'arbitre. Il a intérêt à vite se calmer, sinon il va aggraver son cas là. Ils vont maintenant évoluer à 10. L'Angleterre qui effectue donc un nouveau changement. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Ah, là-bas ! Le soutien derrière lui. La longue passe. Le petit 1-2. De la tête. Oh, elle était belle cette tête. Mais ça ne suffit pas. Et cette bonne situation sur l'aile gauche. Ne résiste pas au contact. Et ils essaient de repartir de derrière. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. C'est joué derrière. Pas le choix avec cette défense. À
Alaba. Il tire. Alaba adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Dans la profondeur. Ça joue long. Oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. Oh, voici Arnautovic. L'Autriche pour aller chercher la victoire dans les dernières minutes. Il a tenté, bien joué. Le coup de sifflet, ce sera une faute. C'était pourtant bien tenté, mais le gardien fait un très bel arrêt. Arnold. Il cherche la profondeur. Quel timing dans l'interception. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Le bon ballon. Oh, voici Kane. Il prend sa chance. Sauvé par le poteau. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Et c'est pas surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Baumgartlinger. C'est bien fait ça. Qui est le premier sur ce ballon? C'est dégagé. Ah mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Dans la profondeur. Il y a peut-être la frappe, attention. Oh, quel arrêt. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. L'Autriche qui procède à un autre changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant. Henderson. Oh, pas de chance sur ce coup. Ça joue sur la gauche. Smalling. On est dans les dernières secondes des arrêts de jeu d'arène. C'est joué long. Oh, le bon ballon. Voici un bon centre. L'arbitre siffle. Le match est terminé. On a vu des belles choses dans cette rencontre. Il a manqué les buts. Comme souvent dans ces cas-là, c'était un match nul intéressant. Mais 0-0 à l'arrivée. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Tout le plaisir a été pour moi.